Yeah, salut à tous et bienvenue sur Ball 2K TV. On se retrouve pour ce match numéro 3, le match contre le Miami Heat. On est donc à l'American Airlines Arena, dans l'entre-deux Dwayne Wade. Et ça commence. Voilà, allez, Dwayne Wade qui reprend le ballon. Dwayne Wade qui va aller au bout, à mon avis, il va aller au bout. Spin move, non. Oh, la vache, qu'est-ce qui s'est passé? On a complètement été dépassé par les événements. Dwayne Wade nous a fait la misère. Dwayne Wade qui reprend encore le ballon, qui est déterminé à ramener son équipe dans le game. Comme vous pouvez le voir, il nous passe un petit 6-0 là, 6-2 là. Dwayne Wade encore une fois avec le N1. Le gars est chaud, le gars est archi chaud. Ouais, t'as raison, sois content, ça va pas durer mon gars. Allez, on continue. Dwayne Wade qui vient de rentrer son petit lancer franc là. Chris Bosh, ça ne rentre pas. Passez-moi la balle. Passez-moi la balle que je leur règle un petit peu leur compte. On passe à LeBron James et boum. Qui écrase un gros dunk. Comme à son habitude. Allez, D-Wade. D-Wade, ça ne rentre pas. Kyrie Irving qui remonte le ballon. LeBron James, je t'ai vu. Boum. Oh my goodness. LeBron James, le King. Il est de retour à Miami. Il va leur montrer qui est le roi. Allez hop, interception. Passe-moi la balle. Allez. Et boum, voilà. On vous montre aussi qu'on sait jouer, nous. 11, 12. J'avais dit qu'on allait remonter. Allez, LeBron James, passe-moi la balle à mi-distance. On shoot. Yes, et ça rentre. Voilà. On vous avait dit qu'on allait remonter. Allez, pour Dragic. Dragic à 3 points. Ça ne rentre pas. Rebond pour moi. Petite passe de quarterback pour Kyrie Irving. Kyrie Irving, tu m'as vu à 3 points. On shoot. Et sanction. Voilà, c'est comme ça que je veux que tu joues. Et voilà, Freak Vibration, a.k.a. The Punisher. On est reparti, Baladi Wade, qui continue à me faire la misère, ouais. Et boum. Punaise. Ce mec est trop chaud. Ça, c'est parce qu'il a presque le maillot des Bulls. C'est rouge, donc ouais. Ah, D-Wade, là, tu viens de déconner. Je crois qu'en fait, tout ça, le mec, en fait, il se venge. Le mec se venge parce que je l'avais crossé la dernière fois, j'ai failli le faire tomber. Et il avait fait quelques petits poissons volants devant moi, donc du coup, le mec se venge. Allez, deuxième lancé, France Arland, 18-14. Allez, Chris Bosh à 3 points, ça ne rentre pas. Les gars, il n'y a plus rien qui rentre chez vous. Passez-moi la balle, on va au bout, et ça rentre. Avec le N1, qu'est-ce qu'il y a? Perfect Willy sur la ligne des lancers francs. Allez, DJ Augustine. DJ Augustine qui cherche une solution. Interception. On passe à Biombo. Biombo qui va écraser un gros dunk et boum. C'est fait. 23-14. Chris Bosh. Chris Bosh, ça ne rentre pas. Bloqué par... non, pas bloqué, mais gêné par Biombo. On va au bout. Et voilà. Petit 2 points. Encore une fois. Jumper, passe-moi la balle. On te repasse la balle. Shoot. Mec, je sais que tu vas rentrer. Ça va rentrer. Yes. Ça rentre sur le buzzer. Encore une fois, le mec était contesté, mais il n'en a rien à faire. 29-19. Deuxième. Carton. Allez, Harris. Passe-moi la balle. Passe-moi la balle. Je suis tout seul. Voilà. Petit 2 points. Easy. 41-29. Chris Bosh, mais Chris Bosh, qu'est-ce qu'il fait? Mais punaise, le mec est parti de la ligne à 3 points, tranquille, jusqu'au panier en layup, normal. Ah, DJ Augustine, on le laisse tout seul à 3 points, et voilà, ça rentre. Sur une super passe de D-Wade, 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 que vas-tu faire? Non, ça ne rentre pas, D-Wade. Allez, Harris, vas-y Harris. Mets-le, ces 2 points, yes, c'est bon. 45 à 57 secondes du troisième carton. D-Wade qui grigrille, D-Wade qui grigrille, D-Wade qui veut mettre ce panier. D-Wade qui va. Non, et non, ça ne rentre pas. Et voilà, mi-temps, 45-33. L'équipe de LeBron James domine. Enfin non, c'est mon équipe. C'est pas l'équipe de LeBron James. LeBron James n'est qu'un pion dans ce jeu pour moi. Allez, trêve de conneries. On continue, passe pour Chris Bosh. Chris Bosh, à 2 points, enfin à mi-distance. D-Wade qui nous refait, voilà. On l'envoie sur la ligne des lancers francs. En plus, c'était de ma faute. Super.
Voilà, ça rentre. Premier lancé franc qui est rentré. Deuxième lancé franc, ça rentre aussi. 48-38. 10 petits points. Kyrie Irving qui remonte le ballon, qui nous repasse la balle et boum, sur la tête de D-Wade. Ça, c'est pour t'être foutu de ma gueule pendant le deuxième match, ça. Pendant le match 2. Chris Bosh en fadeaway, ça rentre. Chris Bosh est chaud là. Chris Bosh est chaud bouillant. Ouh, cross. Ouh là 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 là. Danny Green, non. Comment il s'appelle? Gerald Green, tu n'as rien vu. Tu t'es trompé, va t'asseoir. De toute façon, je sais même pas si tu... D'ailleurs, je me demande si... Si Gerald Green, il est toujours à Miami cette année. Après ses petits problèmes de santé ou je sais pas quoi, là, je me demande s'il y a encore. Mec, tu passeras pas. Arrête de chercher des ouvertures, tu vas pas passer. Oui, voilà, voilà. Je t'avais dit que tu passerais pas. Allez, petite passe pour J.R. Smith. J.R. Smith, non, gêné. Sortie de balle. Ouais, donne des instructions parce que à mon avis, là, ils vont... De toute façon, ton équipe va perdre. Voilà, passe-moi la balle. On va au bout. Non, on passe à LeBron James qui claque un énorme dunk. Ce type n'en a jamais marre. Allez, Chris Bosh. Chris Bosh. Ça rentre. Face à T.T. ou LeBron James. Je sais plus trop. Iman Shumpert. Iman, tu m'as vu. Allez, à 3 points. On y retourne. Non, ça ne rentre pas. Allez, on recommence. Deuxième chance. Yeah, ça rentre. Et ouais, les gars, je vous l'ai dit, vous défendez pas sur moi. Moi, je sanctionne. Où était donc votre défense? N'oubliez pas mon nouveau blaze. On m'appelle le Punisher. Retenez bien ce surnom. Et voilà, fin du troisième carton. Vous venez d'être puni. Allez, on y croit, les gars. On peut l'avoir, ce match 3. Voilà, allez, passez-moi la balle devant, passez-moi la balle devant, voilà, on va jusqu'au bout et boum, petit dunk tranquille sur le Walding. Allez, yes, passe-moi la balle, hop, spin move sur D-Wade qui n'a rien vu et boum, le dunk. D-Wade, mec, tu as été dépassé sur ce coup, ça sent le 3 points, ça sent le 3 points, non, ouh, D-Wade, tu as floppé. Et voilà, voilà quand tu floppes, voilà ce qui se passe. Sanction directe. Allez, à 3 points. Non, pour LeBron James qui était complètement tout seul à 3 points. LeBron James qui loupe. Super, c'est bien LeBron James, ça, d'être le meilleur joueur du monde là, c'est bien beau, hein, mais il faut les mettre ses tirs à 3 points. Voilà, pendant ce temps-là, les autres, ils vont mettre des 2 points. Easy. Voilà, allez, repasse-moi la balle. Passe-moi la balle, je te montre comment on fait. Non, on passe à Kevin Love. Voilà, Kevin Love, il l'aimait lui au moins. Allez, petit... Ouh là là, on tricote, là, ça tricote. Allez, spin move, re-spin move. On dribble, on redribble. On veut essayer de le faire tomber, hein, le D-Wade. Hein. Pour Kyrie Irving qui va jusqu'au bout et ça rentre. Très bonne passe décisive de ma part. Magnifique. Ouais, ça demande un temps mort de l'autre côté. Chez Monsieur Spoelstra, ça demande un temps mort. C'est normal. Chris Bosh sous le panier, easy. Allez. Allez, Chris Bosh tout seul, punaise, Chris Bosh était tout seul les mecs, faut pas le laisser tout seul ce mec. 73-77, ça devient chaud. Dragic, non, ça n'est pas rentré. Et Whiteside qui essaie de mettre un petit 2 points là, mais faute de Kevin Love apparemment. Whiteside 74 sur la ligne des lancers francs. Whiteside qui a loupé son deuxième lancer franc. Que va-t-on faire? On joue tranquille, mais tranquille. LeBron James qui s'excite à nous demander le ballon, là. On va pas l'écouter, on demande une isolation. Que va-t-on faire? On va aller au panier. On va essayer de dribbler Dragic. On va faire le petit spin move. Non, on passe à LeBron James. LeBron James qui va aller au bout, lui. Et ça rentre. Ouais, bon, j'aurais dû te passer la balle avant. Donc, peut-être que si je te l'avais passé avant, tu te serais loupé. Donc, c'est bien que je te l'ai passé là. Allez. Petite passe pour Kyrie Irving, faute sur Kyrie Irving de Goran Dragic pour l'envoyer sur la ligne des lancers francs et espérer récupérer le ballon pour aller rapidement marquer. Et les mecs, je crois que c'est mort là. Ouais, de toute façon c'est mort, 74-80 les mecs, vous avez 20 secondes, c'est mort. Vous n'avez pas assez de temps pour revenir. On va voir si Medir se vérifie. Dragic qui va devoir tirer, non, qui passe à D-Wade. Faute sur D-Wade, mais bonne faute, ça l'empêche de
mettre un petit layup easy. Ouais, malgré ça, il rentre quand même son... ses deux lancers francs. 76-80, il reste 16 secondes. À mon avis, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ah non, c'était pour moi. Voilà, passe à... ouh, ouh. Heureusement, heureusement. Et voilà, Chris Bosh qui fait faute sur LeBron James. LeBron James qui n'est pas très bon au lancer franc, mais qui apparemment va mettre ses deux lancers francs. Il m'a fait peur. 82-76, à mon avis, c'est mort. Là, c'est mort. Dragic pour le holding à 3 points. Ça ne rentre pas. Rebond de Bosh. Pour Deng, pour Dragic, pour D-Wade, pour Deng à 3 points, ça ne rentre pas. Et voilà, fin du match. De toute façon, je sais même pas si Deng avait mis son 3 points, de toute façon, ça n'aurait rien du tout donné au score. À part, ouais, 76, ouais, non, ça aurait rien fait du tout. Donc ben voilà, les gars, fin du match 3. Hein. Encore une fois, on les a encore défoncés, enfin, on les a battus, pardon. Donc alors... 27 points, 4 rebonds, 9 passes décisives, 4 interceptions, 11 sur 19 au shoot, 3 sur 3 au lancer franc, 2 sur 6 à 3 points. Ah là, j'ai pêché un petit peu là quand même. J'ai un peu merdé. Allez, tout ça en 28 minutes avec 2 pertes de balles et 2 fautes. Ouais, bon match cette fois-ci. Franchement, là, c'est un bon match. Allez, retour sur le tableau des playoffs pour voir un petit peu ce qui s'est passé depuis notre victoire. Alors, Golden State, Houston, 2 partout. Les Clippers, 1 à 3 pour les Spurs. Bah, les Spurs, à mon avis, ils vont passer. Hein. Nous, 3-0 contre Miami et Chicago. Bah, Chicago, à mon avis, va passer, hein, vu qu'ils sont 3, Toronto 1. Mais bon, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pour en dessous, là, Spurs versus Clippers. Faut rien dire non plus parce que les retournements de situation, c'est vite arrivé. Donc mon ami fan des Spurs là, ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça se trouve vous allez vous faire remonter et les Clippers vont passer. Enfin, j'espère pas pour toi. Enfin bref, allez, bah sur ce les gars, fin de ce petit match, fin de cette petite vidéo. Je vous donne rendez-vous pour le match 4 contre Miami. À mon avis, ça sent le sweep. Sauf si D-Wade et Bosh se mettent un petit coup de pied aux fesses, là. Il serait peut-être quand même temps, parce que devant leur public, se faire défoncer deux fois de suite, ça serait, franchement, ça serait un peu dur. Enfin bref, fin de la vidéo, les gars. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, l'épisode numéro 70. Puis, les gars, bon jeu à tous et peace. Yep.